j'ai déjà regardé auparavant le tournoi d'un œil extérieur. Là, c'est la première fois que je suis là en personne. Mais bon, les joueurs, on se connaît entre nous, on se joue dans plusieurs autres tournois durant l'année. Mais chaque semaine est différente, chaque semaine est une opportunité de pouvoir essayer de gagner un tournoi, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc non, c'est bien de se jouer dans des tournois qui ont beaucoup d'histoire, dans des clubs qui ont beaucoup d'histoire, et j'espère ajouter mon nom à la liste des vainqueurs sur ce tournoi. Oui, c'est sûr que je suis première tête de série du tableau, je suis le seul membre du top 10 ici à Marrakech, donc c'est sûr que je porte le dossard un peu de favori du tournoi. Après, tous les joueurs sont très forts dès les premiers tours. Il y a des joueurs qui ont déjà été très bien classés dans le tournoi, il y a de très bons joueurs, donc faudra pas prendre aucun match à la légère, ce sera compliqué. Mais je crois en mes chances de pouvoir aller jusqu'au bout et de pouvoir gagner le tournoi. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ce serait toujours un grand plaisir de pouvoir gagner ici à Marrakech. Je crois que j'ai assez d'expérience. Ça fait des années que je viens ici au Maroc et j'aime beaucoup venir ici. C'est un tournoi, c'est le seul tournoi en Afrique, c'est le seul tournoi dans le Nord Afrique aussi. Alors je sens que je suis comme si je suis chez moi. D'ailleurs, je voulais remercier la Fédération Royale Maroc pour la wildcard, ainsi aussi M. Hicham Arazi aussi pour la wildcard, pour participer cette année à cet event. Je pense que c'est un bon tournoi cette année, il y a pas mal de très bons joueurs. Bon, il y a Ali Yassim, il y a beaucoup de joueurs d'expérience avec des joueurs jeunes joueurs qui vont, on va les voir aussi dans le futur.